Et salut à tous, on se retrouve sur du Soul Calibur 6 pendant que tout le monde est en train de jouer à Smash, même moi, même si vous le voyez pas sur la chaîne, et je suis toujours malade. Et du coup, aujourd'hui, mardi 18 décembre, suite à la mise à jour 1.10 qui a eu lieu hier soir, même avec un petit report, du coup, au lieu d'être hier matin et tout, du coup, qui est faite. Et aujourd'hui, le 18, il y a eu un nouveau personnage, alors qui malheureusement n'a pas sa place dans le mode Chronique d'âme, comme vous pouvez le constater. On a tout dosé, on a même eu du coup des archives cachées qui sont ajoutées. C'est probablement ça d'ailleurs, les derniers points qui manquent. C'est potentiellement des choses qui s'ajoutent en avançant dans le mode Balance de l'âme, probablement. Que j'ai commencé à faire de mon côté, puisque de toute façon, de ce que j'ai vu sur la chaîne, ça vous a pas plu. Et du coup, aujourd'hui, je voulais vous montrer un peu le nouveau personnage, déjà bien teasé par Kayane et qui nous avait fait la surprise au Paris Games Week, à la Paris Games Week, qui est donc 2B de Nier Automata, donc qui est arrivé du coup, c'est le mode d'entraînement, hein. Pas me faire chier et on va se mettre sur le terrain. Où est-ce qu'il est? Proceeding to target location. Pod. Cité en ruine, je crois que c'est ça. Non! Ah! Fuck you, bon tant pis. Je vais revenir à la sélection de stage, hein, juste pour ça. Hein. Les boulettes. La manette qui a été un poil trop loin, avec les super temps de chargement qui durent 107 ans. Alors moi j'ai un peu pu l'essayer, j'ai pu l'essayer un petit peu avant de vous montrer. On va revenir au choix du personnage, juste pour ça. Hein. C'est beau, c'est. Alors, moi je reprends 2B qui existe aussi en tenue blanche, du coup, je vous montre avec les cheveux noirs, mais rien ne vaut l'original. Voilà, et maintenant on va aller doucement, cité en ruine. Voilà, avec la musique City Runes qui est très bien. Enfin, bon, si vous avez l'occasion de jouer à Nier Automata, faites-le. Hein. Pour moi, c'est le GOTY 2017. Hein. Même s'il a quelques défauts, je le préfère largement à Zelda Breath of the Wild, qui, à mon sens, était quand même pas terrible. Mais c'est mon avis. Est-ce qu'on a un mode leçon de combat? Ok, maintenant. On n'a pas de truc. Donc voilà, on va regarder 2-3 trucs, genre une prise. Hop là. Alors c'est la même. C'est la même. Voilà une autre. Ok. Ensuite, le combo tout simple. Bon merde, on était en bord de ring, mais. Vous maltraitez. Voilà. Ensuite, en vertical. En coup de poing. En avançant et. En maintenant. Ça fait un truc plutôt sympa. Et après, vous pouvez carrément doser le truc pour faire des combos sympas. Voilà. Est-ce que je vais réussir à le refaire? Bon, j'arriverai pas à faire plus de 5 coups, je pense. En revirement Edge. Et maintenant il nous reste plus que le dernier.
Voilà. Ensuite. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'elle jongle avec les différentes armes qui apparaissent dans, du coup, dans Nier Automata. Voilà, bon. Je suis pas un très bon joueur, hein. Je vais pas vous montrer tous les coups parce que je suis incapable de tous les faire, tout simplement. C'est où par exemple Voilà. Bref. Normalement, avec 2B, il y a d'autres éléments qui sont arrivés, donc en plus du terrain. Et tout, en théorie, si je dis pas de bêtises, on a des tenues et des trucs de customisation qui sont arrivés. Enfin, un perso original, enfin, un humain, une femme. J'aimerais bien me refaire une Kainé ou une 2B. Mais voilà, on va aller au niveau de l'équipement. Et il me semble que du coup on va avoir. Ah voilà, on a le costume de 2B avec ou sans la. Sans la jupe. Et on a également le costume de Kainé. Costume de Kainé. Je me demande s'il n'y a pas aussi. Ah si, on a le grimoire Vice qui peut se mettre au-dessus. On a la tête de vie mécanique. Et le masque d'Emile. Voilà. Alors bon, moi je vais l'enlever le masque d'Emile, hein, parce que. Même si c'est très sympa, ça fera pas Kainé. Mais voilà, c'est. Et du coup, vous avez également. Arme style, on va aller chercher. Ah, 2B. Donc au niveau des armes, on a le contrat et le traité vertueux, on a Fléau et Monarque, qui sont des armes. La dague du phénix et l'épée du phénix. L'épée du 40 et la lame du 40. L'épée et la lame type 3. L'épée et la hache mécanique. Et la barre de fer et la volonté de fer. Top. Même si, si on voulait recréer Kainé, je pense qu'il faudrait plutôt aller taper dans le style de Cervantes. Je sais pas si on a une arme qui irait bien à. Il n'y en a pas un truc en. Merde. Même si j'aime absolument pas ça en test. Mais voilà, vous avez. Qu'est-ce que c'est ? Voilà pour l'arrivage de choses au niveau de comment ? De 2B. Voilà. Je sais pas si. Tiens, je sais pas si la musique y est. Voilà.
Bon, je voulais laisser un peu la musique, mais ça marche pas. Voilà. Du coup, voilà pour la petite vidéo. Je sais pas si on va faire juste un petit combat. Je sais pas si. Je dois pas. J'ai pas de connexion actuellement, donc au moment où j'enregistre la vidéo. Donc ça va être un joueur vs IA, malheureusement. Il faudra que je remédie à tout ça. Welcome to the stage of history retooled. Et donc, nous, on va jouer. To To be. be. Target location. Pod. Retrieving map data. Faudrait que je vois pour passer les voix en japonaise du coup. Et on va se mettre un adversaire aléatoire. Et sur un stage aléatoire. Voilà. Comme ça. Mais juste histoire que vous puissiez vous faire un peu plus un aperçu de. Après, si vous voulez vraiment regarder une vidéo, allez sur. Je vous mettrai probablement en lien la vidéo qu'avait fait Kayane à l'époque du teasing de 2B. Bon, bah, du coup, on est sur City Hall. Voilà. You don't say. In that case, let's fight. Battle 1. Fight. Et le ring out. Ah, what? What? Ce vol. Ah la vache, c'est joué à un tout petit pixel, il est tombé avant moi. C'est du vol pur et dur. Ah, c'est vrai que je vous ai pas montré le brise garde aussi. Voilà, le brise garde. C'était pas ce que je voulais faire, mais. C'était absolument pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Le brise garde qui peut très bien ring out, comme vous pouvez le constater. Donc voilà pour la petite vidéo sur l'arrivée de 2B dans Soul Calibur 6. J'espère que ça vous a plu et si jamais, franchement, allez voir. Je sais pas s'il y a une image pour 2B. Alors forcément, il y a 2B. Ah, si. On a le fond et on a. Voilà. Du coup, je vous laisse là-dessus et je vous dis à ciao, à plus, ciao, bye bye.